Mes frères et collègues blogueurs, influenceurs, je sais pas trop, vlogueurs là, s'il vous plaît, faites l'effort de donner les bonnes informations aux Camerounais. Vous nous avez dit ici là que Gifto le Russe, sa situation est 16 fois plus compliquée que pour Happy. Vous allez écouter Gifto là tout à l'heure. Gifto n'a aucun problème. Vous êtes venu nous dire que Happy, que sa situation est tellement que Happy, bam là, à un degré. Moi, j'ai cru que Happy ne portait même plus les habits. Il y a une vidéo qui a encore fait le tour de la toile là, où on voit bien Happy. C'est vrai qu'il n'a pas, il a un pied sans chaussures, un pied avec chaussures, mais il s'exprime bien. Le gars dit que tu veux causer. Non, ma mère a dit que ne venez plus ici me filmer. Ma mère ne veut plus vous voir ici. Je ne sais pas pourquoi les gens insistent à aller filmer Happy. Donc, Happy raisonne. Le gars se lève même, il entre. Tout le monde a vu cette image. Mais l'information qui vient sur la toile, on dirait que Happy est. Donc, que c'est merde. Écoutez un peu Gifto d'abord. Hein. Je vous prends après. Écoutez ce que Gifto lui-même dit au téléphone. Parce que Pifo nous a dit que c'est grave. Écoutons attentivement. Il dit que Gifto est comme Happy de Foulane. Quand Gifto a pris le cure, Gifto est ceci. Nous allons chercher à joindre Gifto pour voir si Gifto, pour le moment, est dans la rue. Il est en train de fumer le kiosque. Bonsoir, Gifto. Bonsoir. Comment ça va? Bienvenue. Ah, bienvenue, ça va. Ouais, ça va. Tu me fais un petit acapella là, comment ça va? Vas-y. Bon, apparemment, tu es dans la rue. Il faut dire que tu es dans la rue. Et que pour le moment, ta situation est plus grave que pour Happy de Flamme. Qu'est-ce qui se passe? Je suis dans la rue, que je n'ai pas une famille. Je n'ai pas ma vie, que je n'ai pas dans la rue. La maman, quand vous dormez, vous êtes dans la rue. Les zombies. Mais ici, là, c'est Dieu avec ses gens. Donc, ses ennemis, je ne sais pas son adversaire. Je suis un petit frère, je ne sais pas mon gars. Donc, il va se faire ces choses. Moi, il m'en fout de lui. Je ne sais pas savoir ce qu'il fait dans sa vie. Parce que nous, ça va la vérité. C'est quelle histoire ça? Je dors, il me lève un matin, il me raconte que je suis la toile, mon nom, je suis arrivé. Quoi? Qui, moi? Sans dire qu'il puisse que les anciens camerounais, les jeunes, moi je cherche, c'est pas ça que je peux avoir l'espace pour sortir des trucs. Si vous avez quelqu'un en baisse, pendant un certain moment, il doit aussi comprendre que non, vous avez quelqu'un qui travaille le mois pour lancer les prochains projets. C'est quelle histoire ça? Bon, apparemment, il dit que le cœur a fini avec ta vie. Bon, et je vais te poser une question, sois honnête. Est-ce que tu as fumé le cœur? Oui, avant, pas, mais là, oui, donc tu fumais le cœur avant? Avant, oui, mais là, maintenant, là, je suis dans ça, parce que c'est un petit peu, moi, j'ai vu que là, donc c'est, ça donne ça avec moi. D'accord. D'accord. Pour le moment, qu'est-ce que tu fais? Quelle est ton actualité? Actuellement, je suis en studio, je de faire mes signes là. J'ai mes 4 à 5 signes là qui vont sortir bientôt. Bon, c'est ça qui me mettait un peu dans le noir en fait. Donc, j'essaie de travailler au fur et à mesure. Quand ça sort, il faut en balance et tout. Bon, mais je vais te poser la question. Est-ce que ce sont les gens qui vous encadrent, qui vous demandent de prendre le débat? Ou bien chacun est responsable? C'est juste une question, sincèrement. Chacun est responsable, donc tout le monde sait comment il gère sa vie, c'est ça. Donc personne, ce n'est pas qu'on vous donne les conditions que quand tu viens dans le mollet, tu vas commencer à fumer le kiosque. Il y a pas de conditions, sincèrement. On ne donne aucune condition à personne. Donc chacun se décide de fumer ou de ne pas fumer, c'est ça. Oui, c'est ça. Parce que j'ai vu qu'il faut accuser. Est-ce que Diplomate est ton manager en passant? Moi, je suis mon manager. D'accord. Est-ce que Diplomate est dans la rue? Parce qu'apparemment, il dit que c'est à cause de Diplomate que tu prends le cœur à gauche, à droite, et que tu es même dans la rue à cause de lui. Il t'a escroqué, il a pris l'argent pour construire ses maisons. Enfin, qu'est-ce qui se passe en réalité? Non, jamais. Il m'a dit que voilà, jamais de la rue. Nous, si on a eu la vérité, c'est le bail. Et après ça, tu vas venir m'accompagner et tout et tout. On ne sait pas. C'est pas ça. D'accord. Donc chacun est responsable de ses actes. Tu n'as pas de tes managers, t'es toi seul qui. Tu es assez grand pour faire ce que tu as fait. Bon, actuellement, bon, et là, on dit un truc, je ne suis pas dans le même label que Happy de Foulane, il fait passer la paix responsable. D'accord. Alors, en fait, vous n'êtes pas dans le même label, c'est ça? Pas le même label, c'est pas le même label. D'accord, ok. Est-ce que tu as quelque chose à dire alors, Pifo, au moment où tu as dit que tu n'allais pas bien, tu étais dans la rue? C'est comment il peut dire que personne ne détient le destin de l'autre. Donc, si l'autre fait sa chose, ça donne. C'est que ça a donné, la nature a béni. Si ça baisse, c'est que ça a baissé. Mais on n'a pas mélangé les choses. Puisque si on veut seulement voir, mais on commence à parler là, c'est pas ça. Moi, je gère parce que, lui, je ne peux pas d'abord mettre mon cœur sur ça, puisque je garde mon moral, mon mental, très beau. Donc, je ne veux pas m'acharner, donc, rester là, mais d'aller sur le commérage,
Maman dit, il faut juste un nom comme ça, il a fait. Pourquoi dans la rue? Pourquoi dans la rue? Il n'y a pas encore aujourd'hui pour dans la rue. Là, mon enfant, ma petite amie, a couché. Mon enfant, il a 3 mois, là, il me bat pour mon petit, mon petit, tout ça. J'essaie aussi de mettre le compte, non? Si il y a l'odeur, ça peut sortir. Mais après, on vient avec des histoires pour m'agacer. Tout ça, c'est que tu l'as, je ne l'ai pas. Parce que tu peux le frustrer la jeunesse. Et moi, personne ne va me frustrer. Moi, je suis là, il faut là. Il ne peut pas. Vraiment, il le voit même pas d'abord. Il continue ses études des femmes là. Moi, je ne suis pas dans la danse là. Je ne suis pas dans la danse là. Si lui est dans la danse, je ne suis pas dans la danse là. Et bien, mais bon, attendez, d'après nous, c'est ouais, voilà, il ne sait pas. Son allu, moi je l'ai suivi, parce que c'est compliqué, c'est ici là. Donc, il voulait, donc, tu as vu son allu qu'il y a moi le côté. Il m'a mis des bombes dans la maladie, et puis même dans sa fille, et puis il a produit une tête. Et moi, toujours, il a eu des points avec tous les titres, et puis le titre, et puis le titre, et tout. Oui. Bon, mais là, comme lui, on lui met la bouche. Lui, il s'amuse sur les sorciers, c'est un sorcier, pour lancer un sorcier. Ah. Son de qui gâte tous les enfants. Ah. C'est lui qui gâte les enfants, voilà. Oui. Ah. Attends, qu'est-ce qui s'est passé à Douala, papa? Il fait que parler des titres, on ne dit pas les noms, on ne dit pas les compris des enjeux. Tout le monde est responsable de sa vie, c'est bon, c'est sa vie, c'est tout. Lui, on ne sait pas savoir ce que lui fait. Mais comme si c'était un sorcier, le film d'abord. Parce que moi, je ne le connais pas. Moi, je ne sais pas connaître que tu es tout. Ça, c'est bon, ça, c'est un petit tapot, c'est dans les événements et comme ça. Mais il était devenu vers moi, il a compliqué, je suis pas le jardin. Non, il voulait te parler du derrière, tu as dit que. Sortez. Non. Attends, avant de continuer à parler, je vais te dire une chose, petit Guito. Ce gars-là, le jour qu'il te parle du derrière, tu lui donnes 2 bons chiffres, tu poses sa tête debout. Tu as compris quoi? Le jour qu'il te parle de ton derrière, tu le donnes, il te fait le nyanga même. Quand il fait le nyanga, genre là, tu le gifles d'abord, tu es un boy. Tu gifles d'abord, ses pieds se posent. Ah, tu as vu son arrêt, tu l'as déchargé. Sortez. Je dis que mon fils, quand il voulait t'amener les choses, ça va. Tu as parlé, ne parle plus beaucoup, ça va. Ne parle pas. Je lui dis, donc, hey, sortez. C'est les filles. Donc il marche debout comme un homme, mais bon, hein? Tu les vois debout là comme les hommes, quand ils n'ont pas les hommes. Il me demande quoi, Donc, bon, en tout cas, si tente de passer pour te demander l'affaire. Donc il est debout comme un homme, mais c'est pas un homme. Ça va, ne parle plus beaucoup, mon. Pourquoi dans la rue? Comme tu me vois là, comme je suis là. C'est merci. Je compte sur lui, mais il m'a donné pour un jour. Quand j'ai levé ma tête pour parler de mon nom, il est sur la toile, c'est compliqué de s'amuser. Il fait les pas les trucs des femmes là. Non, ne deviens pas femme. Non, ne deviens pas femme. Reste boy comme tu es là. Même si c'est l'homme de pas et tout. Reste homme. Hey! C'est quoi? En tout cas, comme je t'ai dit, tu as dit que tu as laissé le cœur, ne passe plus à côté. Fais ta musique, tu as trop de talent. Moi, j'ai vu faire des spectacles ici là. C'était magnifique. Tes spectacles étaient beaux. Tu as beaucoup de talent. Comme tu es en studio là, reste en studio, tu travailles. Tu as ton enfant qui vient de naître là. Très bien, vous avez bien écouté. Avant de donner mon point de vue, la loterie américaine a déjà commencé. C'est vrai que le site n'est pas ouvert. Mais on a dit qu'aujourd'hui à 18h, ça sera ouvert. Donc, tentez vos chances. On ne sait jamais, les gars. Ça, c'est une parenthèse. Donc, vous avez suivi que le gars est en studio et sa femme vient d'accoucher. L'enfant a 3 mois. Vous voyez comment il résonne même digne. Ils ne veulent pas entrer dans leurs histoires de pif, ouais, ceci, machin. C'est entre eux là-bas. C'est-à-dire que chacun, en cas d'incendie, même le torrent éteint le feu. Chacun veut se défendre. Donc, même s'il faut dire ce qui n'existe pas ou pas pour éliminer, pour détruire l'adversaire, voilà, il faut, même s'il faut inventer. Donc, ils ne veulent pas entrer trop dans les trucs. C'est Pifo qui vient ici dire qu'il est dans le même label que Happy. Et que le manager, l'ancien manager de Happy, est. Faites attention, hein. Il y a aussi beaucoup d'accusations, beaucoup de faux trucs. Je vais chuter par ce post-ci qu'un fan a écrit sur ma page en disant que j'avais dit que ça c'est les cancan boys qui étaient derrière la situation de Happy ou bien c'était l'état allé entrer dans. Quand on fait des analyses, je veux juste te répondre d'une manière très posée. Quand on fait des analyses, chers frères, comprenez en français parce que nous on parle, on est ses frères, on ne s'exprime pas vraiment bien en français. Français soutenu, mais ce qu'on parle là, c'est le français. Même si c'est le faux français, mais c'est quand même le français.
Donc comprenez le sens. Je n'ai jamais accusé quelqu'un. Et quand je fais mes vidéos, il n'indexe pas quelqu'un. C'est pour cette raison que depuis que moi je suis sur Meta là, je n'ai pas de problème avec quelqu'un. Mais je n'ai pas de rancune. Et personne ne me garde rancune. Parce que je n'indexe pas les gens. Ils ne prononcent le nom de quelqu'un dans mes vidéos. Je parle mes trucs en parabole. Celui qui veut comprendre, comprend. Je n'ai jamais accusé les gangs cambodgiens nulle part. Va encore bien suivre ma vidéo et comprends bien ce que je dis. Donc les gars, quand je fais mes analyses, comprenez bien. Et moi, je parle souvent toujours de peut-être, donc je ne dis jamais que c'est telle chose. Donc même tout ce qui se passe là, mettons, viens nous, voilà qu'on nous dit que, oh, à Pissot, machin, tu avais le couteau, ou c'est à minuit, machin, tu tout ça. Mais on ne nous montre pas les preuves, on ne nous montre pas les images. C'est ce qu'on entend, non? Qu'est-ce qui prouve que tout ça est vrai? Soyez sage, hein, s'il vous plaît, soyez vraiment un peu sage sur les réseaux sociaux aussi là. Parce que chacun se lève, il se place devant la caméra et raconte n'importe quoi. Puis il faut sortir sa part, voilà, il y a les récupérations. Oh, voilà maintenant Gypto qui vient nous dire que tout ça là même c'est n'importe quoi. On va croire donc à qui? Moi je pense que ce n'est que l'équipe qui suit Happy là que moi je vais maintenant écouter. Je vais lire mes trucs sur la page de Happy maintenant. Donc tout ce que vous racontez encore à côté là, moi je suis avec vous. Merci de partager la vidéo. Et comme j'ai dit, la loterie est déjà lancée. Venez jouer la loterie au studio Vision Pro situé en face de Total Ngusso, à Yaoundé. Total d'en haut à côté de la chapelle, à l'étage, au-dessus du PC. Je vous attends. Demain là, ça va aller très vite.